trésor public, les comptes de dépôt supprimés. Les comptes de dépôt ont été supprimés depuis le début du mois de janvier 2014, selon les précisions apportées par Orlando Robman, directeur général du Trésor. Une nouvelle méthode de gestion avec la Cour des comptes a été instaurée, a-t-il indiqué. Les administrations régionales ont fonctionné grâce aux subventions versées à leur profit sur des comptes ouverts à leur nom au Trésor public, a-t-il rappelé, en soulignant qu'elles peuvent continuer à utiliser le reliquat de leurs comptes. Mais un retour à l'orthodoxie financière est requise. Le principe de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable ne doit pas être en reste puisqu'il garantit une meilleure gestion des fonds. En aucun cas, selon ses précisions, il n'a été question de blocage du compte des régions.